Catherine, on se retrouve avec votre fière bande d'aventuriers, à savoir Katox, Atemir et Weirdmake. Bonsoir messieurs, vous m'avez manqué. Salut. Et Salut. coucou. Vous m'avez manqué. Ouais. Ça fait quelques semaines qu'on s'est pas retrouvés. Ça fait du bien. Ça On fait était du en bien de se retrouver. vacances. Et tu avais bien raison, c'est moi qui étais en vacances la première fois où on s'est pas vu là. Ouais, j'étais en vacances la semaine dernière aussi. Chacun son tour, et c'était quand même plus pratique quand ça tombe tous en même temps. Puis j'appelle ça des vacances, je ne pense pas. Non, mais toi, de toute façon, t'es en vacances tout le temps. Oh. Vu ton métier, tu ne fais rien. C'est vrai, effectivement. Je suis payé à faire travailler autrui. C'est donc bien le meilleur métier du monde. Ouais, c'est ça. Oui, mais je pense que le manager travaillait pas mal. Ah, c'est voilà. ça, je suis un manager de 125 petits merdeux. Exactement. Si un jour, beau, hein. si, un jour si un jour il m'écoute, sachez que je vous hais. Waouh. Allez, on avance. Oh, on avance. C'est ce que je leur dis souvent. Squelettes à piller. Je n'ai pas de personne préférée, je déteste tout le monde au même niveau. Ah ouais, voilà. À toi, je t'ai mis une partie de conversation. Bah oui, bah forcément, bah avec lui le pélo là. Le prix de l'orgueil. Did not consider the peace of the 14 pièces d'or. Through the dark, he went creeping and awoke what was sleeping. A new grave bah oui. they dug, which he himself fed. Avec en plus de personnes trop charismatiques. Ah, avec 666 PV, excusez-moi. Vous voulez dire qu'il y a des trésors droit devant? J'adore. Combien de temps que t'attends comme un vélo là? Greed, my favorite virtue. I've grown quite fond of you, you know, in my way. I thought it only fair to warn you about the dangers ahead. Don't be absurd. It would be pointless of me to try to bar you from entering. But I can set the scene, as it were. Prepare you for your role. Oh, il est trop gentil. D'accord, faites-moi un topo. Tu me bien RP. Ah, c'est marrant, parce qu'en anglais, j'aurais entendu ça part très bien. Décrivez-moi la scène. My dear friend, I think you'll find I play my part in many a plot indeed. Cannot the same be said for you these days, true soul? Allez, vas-y. There is a stage down in the dark upon which a great drama has suspended itself in time. Its actors dwell there still, mired in the languor of their long tired scenes. If you, however, through the dark, go creeping, and awake what is sleeping. Chances are many more graves than yours ça veut alone dire des mobs, ça veut dire de l'XP. Will soon be fed. Let's go. On y va en fanfare. Ça veut dire un gros gros machin. Oh ça va, 10. Avec 5 de charisme. Je vais faire 1 pour bien commencer. Ah non, ça va. Allez, 11, parfait, ça passe. Allez, 20, de base, salut. Very well. There is a creature that lurks in silence and shadow. A creature who, like me, is very much of the infernal persuasion. Should it make its way out through the very doors you are about to brazenly swing open, you'll have unleashed a pestilence upon this realm. Cool. In truth, it is carnage incarnate. So if you meet the devil of which I speak, kill it. Consider no other course of action. Il a pas l'air content. Surtout que tu dis que c'est lui. Il dit que l'autre, c'est un gros taré. Bon. Tu commences à t'inquiéter. Ça doit être un bon morceau quand même. Bah c'est peut-être ouais, que ça. Te dis... Allez. Ah non. J'ai pas de ouais, CDS. Ça fait pas tout le temps des miracles. Je peux relancer. Vas-y. Allez. Si je relance pour re-rater, j'ai la soupe. J'ai la bouse. Ah c'est bon. T'as la soupe. C'est la soupe, quoi. This creature and I go back a long way. I admit, it would be in my best interest as well should it remain trapped in the dark. Or misplace its head, perhaps? I should not relish its reacquaintance. Let's leave it at that.
mais il parle, il s'arrête jamais, hein. Ah, mais il quiche, hein. Il aime s'écouter, hein, j'ai l'impression, ce mec. Do not underestimate this opponent. At best, you will have the blink of an eye to strike. Strike first, strike true, defy the odds, for they are distinctly in its favor. That much I owe the bastard to concede. Il a hop, on tape Raphaël, du coup. If there is one rule I hold dear, it's that one must always give the devil his due. Hop. Et c'est il est parti, ce qui veut dire on est parti, on loot. Alors là, il y a des fleurs, là, il y a des eaux. Oh, un truc à les creuser. C'est moi qui ai l'appel. Mais comment ça, c'est toi qui as l'appel? Ah non, t'as juste la même They lay here ever since their war against Catherick Thorne. Bon, j'en vois un sort Ardain. Les trucs rouillés, les prenez pas, ça pèse une tonne et ça vaut rien. Mais quoi? Les trucs rouillés, les prenez pas. Non, merde. Donc on te les envoie, c'est ça? Ardain, je viens de t'envoyer un bouquin. Ok. Qui était dans un sac. Je pense que c'est un bouquin intéressant. On est vraiment des crevards du Louvre. Bah oui, c'est ce que je dis, t'avais un arbre qui tombait bizarre vite. Let's go. Un arbre racine. Maison de la guérison. J'avais vu un nouveau sort, le bannissement. C'est trop bien ça, bannissement. Et j'avais vu qu'ici il y avait des petites vignes pour pouvoir monter. Mais... Some vine. On peut rentrer dans le. C'est quoi le délire là? Bah, il y a une fenêtre, on peut rentrer. On va retourner à la maison. On est à Assassin's Creed là, c'est ça? C'est ça. Marco! J'ai un couteau en argent. Dérangé de livres. Par où est-ce qu'on va? Ça va, c'est que nous ici. Oh, un coffre! Un chemin de délivrance des malédictions! Un coffre, derrière toi! Où ça? Oh, j'ai trouvé une clé! Attends. Clé de la bibliothèque de l'hôpital! Voilà. Lockpick. Je savais que j'ai une clé. T'as une clé? C'est pas grave, je vais le lockpicker quand même. Et pourquoi tu te traites de cul? Parce que je me cache! Ah bah oui, le coffre il pourrait te voir! Exactement, je viens de faire 26, le coffre m'a pas vu. J'ai l'impression qu'elles sont bien. Elle était rose la flèche là. J'ai l'impression que c'est pour toi. Non, j'ai envoyé des flèches à 14. Il y avait une flèche rose. Flèche rose, c'est flèche tueuse d'humanoïde. Ok. Là, si on croise un humanoïde. Un humanoïde. Lockpick. Tant de parcours, c'est tellement bon. Oh, je suis fier de vous nettoyez tellement bien la zone. Bah attends. C'est bon, on a appris, on se fait engueuler quand on nettoie mal les zones. On se fait aussi engueuler quand on lit des livres. Ouais. C'est pour ça que je faisais cette remarque, je me suis dit c'est tellement de la mauvaise foi que je ne peux pas me permettre de ne pas la faire. Bon attends, vas-y, je prends les livres et je te prends ton sac. Parce que en fait c'est ça, c'est juste. Nous on ramasse les livres, mais on doit lui les donner sinon il gueule. Les bouquins c'est pour les gens intelligents. Moi je joue la porte. Je suis un prêtre, hein, donc je suis intelligent. J'ouvre la porte. Ferme la porte. Oui. Ah, je suis. Oh d'ailleurs, en parlant de ferme la porte, vite, concert de Nolband, descend. Ouh. T'y vas? Bah ouais. Hein. Je l'ai fait il y a quelques années, c'est une sacrée ambiance. Hein. C'est le 3 décembre, c'est un dimanche soir. Et c'est à Paris. Tu préviens pas les potos? Je sais pas, moi je me souviens c'est... de non, j'aime pas les concerts. Oui, mais je te rappelle qu'on va à un concert tous les deux la semaine prochaine. Alors c'est vrai. C'est vrai que j'ai fait ça avant, d'accord. Une potion d'invisibilité quelque part. Attends, par là. Une balle. Mais t'es sympa, abruti. Qu'est-ce que t'as fait? Bah j'ai cliqué, mais. Il y avait un trou, j'ai dû cliquer dans le trou et mon perso était en mode non mais j'y vais. YOLO, oubliez qu'on avait affaire à un professionnel. Attendez, je suis un professionnel. Il a pas encore trop fait de conneries. Cette fois-ci. Attendez, non mais c'est grâce à moi qu'il se passe des choses parce que sinon forcément tout se déroule sans accro, c'est pas non, très je, intéressant. Je reprends, c'est vrai grâce que c'est un peu à. On se fait chier, hein. C'est grâce à toi qu'on a Safe Scum, c'est d'office. Alors, moi je vous propose de descendre vu que j'ai l'impression qu'on a fait tout ce qu'il y avait à faire à cet étage. Mais est-ce qu'on peut passer par les endroits où on est peut-être pas censé passer parce qu'il y a des portes qui ferment tout C'est-à-dire est-ce qu'on fait des gros bourrins Très bien, je vais donc aller casser la porte de derrière. Attends, quoi Ah oui, c'est vrai que t'as des...
tu tapes aussi en... Mais quelle porte? Où ça? Bah, on est rentré tout à l'heure, là où il y avait des coffres et tout, bah juste à l'étage d'en dessous, il y avait une porte qu'on pouvait péter. C'est-à-dire qu'en gros, on va encore faire un méga détour pendant 10 minutes pour se retrouver à l'endroit où on est exactement là maintenant. Oui. Oui, c'est parfait. C'est Arda, il a dit qu'il voulait passer par des endroits où on n'était pas censé aller. Alors mais... moi, j'écoute. Ça veut dire discrétion, ça veut dire embuscade, ça veut dire tuer les gens facilement. Bien, les gens facilement. En pétant une porte, on n'a rien cassé, on n'a rien cassé. On peut pas du tout l'ouvrir. Non, la porte elle est en bas, elle est verrouillée. Ah, elle est en bas la porte, et ben on descend les racines de nous. Vous êtes même pas au courant de ce que vous voulez faire. Oh là là. Alors regardez, vous allez voir, moi je vais la crocheter la porte. Crocheter au marteau, c'est ça? Ouais, ah c'est bon, c'est crocheté. Je ne doutais pas de tes compétences en crocheteur. Ah bah non. Surtout avec ton outil fétiche, le marteau à deux mains. Ah exactement, tu vois. Oui c'est... Ah bon, il y a l'autre de l'autre côté par contre qui... Attention. T'inquiète, je vais crocheter. Ah, un jour quand même, il va falloir que j'arrête de crocheter. Je vais bientôt être à court de... de crochetage. Gant d'empoisonneur. Ah, il n'en reste que 61. Qui fait des... Qui fait des dégâts de poison. Il m'a piqué mon truc. Bon, personne, c'est pour moi. Arda, tu m'as piqué mon truc, j'étais en train de le lire, j'étais en train de me dire, oh, ça a l'air bien. Moi, je prends une... et ensuite je lis. Moi, j'ai trouvé une clé. Super. Bon, bah moi, j'ouvre la porte, il y a des mobs derrière, comme ouais, ça, ça nous mettra en combat. Tiens, voilà, faisons ça, allez. Vas-y. Il y a des bouquins partout. Ah, mais c'est Arda, c'est pour Arda les bouquins. Et il a pas dit que tu ouvres la porte. Ah, mais il y a un coffre, vous avez déjà ouvert le coffre. Oui, c'est le Katox qui s'en est chargé. Je suis déception, tiens, pour la peine. Est-ce qu'on a tout pris? Je t'envoie un marteau pilon à la tronche alors. Ah, tu vois, on s'est pas allumé. Hein. Hop là. Putain, le... l'inventaire de Katox, c'est un tel bordel. Putain, ça me fait mal aux yeux rien que le voir. Oui, ben on fout tellement de merde à vendre un machin, un truc, je sais du ce coup, que je peux. On rentre ? Non. Bah, il a dit qu'il ouvrait la porte. Après, il y a forcément des. Je vois tout le tour, c'est des tombes, il y a peut-être des trucs à piller. Mais non, mais j'ai vraiment des gants qui s'appellent juste armure ? Oui, c'est. Tu viens des. Non, c'était mes gants d'avant, ils les ont virés. Non, c'est toi qui avais changé tes gants. Non, mais regarde, la dernière ligne de mon inventaire, j'ai des gants, ils s'appellent juste armure. C'est quoi ce truc là? Attends. Le troisième objet de la dernière ligne où j'ai des objets dans mon inventaire. Oui, mais tu viens de récupérer ça, c'était le truc qu'il y avait en haut. Comment ça? On vient de récupérer, il y avait un objet qui s'appelait armure à l'étage du bâtiment où on est, et c'était ça. Ah ouais? Ok. Oh putain, j'ai peur. J'ai cru que j'avais perdu des gants. Tes gants qui te filent plus 2? Bah c'est Arda qui les a. Qui me fait plus 2? Bon moi j'ai peur au cimetière. Hein. Non, j'ai des gants cheatés là. Je sais plus ce qu'ils font mais ils étaient bien. Bah c'est pas, ils sont... Il y a beaucoup de pierres tombales. Et il y a des gens pervertis par les ombres. Tout bien là. Ah oui d'accord, il est parti par là. Bah oui, moi, j'attendais que vous finissiez de tatasser en regardant un petit peu ce que j'avais looté. Bah moi j'attends, il a dit qu'il ouvrait la porte, il l'ouvre pas alors bon. Ah attends, mais attends, maintenant j'essaye de faire gaffe à ce que je fais, on est d'accord que bon. Donc t'essayes. Je pourrais pas les allumer en même temps parce que là. T'essayes dans les 10 premières. J'allume celle de gauche, droite. Non, c'est juste qu'elle s'allume pas, c'est tout. Très bien, bon bah vas-y, le DPS devant. Y'a des zones rouges. Parfait, on y va. Ça fait de l'XP. Y'a Sœur Patricia qui est décédée. Quoi, tu veux y aller en fufu? Ils sont que 5 si jamais, y'en a un qui a pas l'air commode. Déjà parce qu'il s'appelle Malus, il a pas l'air commode. Puis il est entouré de ses sœurs. Il a pas l'air d'être un meuble. Y'a encore des rangées de livres à... On les défonce ou bien? Ah oui, bien évidemment. Vas-y, je fais le tour. T'as pas l'air. Weird Mec, il a l'air sceptique quand en fait qu'on les défonce. Non. Weird Mec, on dirait tellement que c'est le MJ où tu sais, les gens vont tomber dans le piège, il va faire. Ça va, il est niveau 6 et 7. Mais il a quand même 300 PV quoi. Une bonne boule de feu et puis on en parle plus. Ah, que quoi au milieu plaisir. Un patient en triste état. T'es pas mort. Il était en train de faire une chirurgie dessus. Ah, non mais moi c'est pour ça que je me marrais, c'est pour Vous voulez les engage genre en fufu? Tu veux pas moi?
Parce que moi, en armure lourde, je suis pas super fufu quoi. Clic droit, examiner. Alors. Après, attends. Nécrotique, résistance au feu, ok. Ensuite, examiner ça. Nécrotique, feu, ok. L'autre là, qui a 300 PV, il a examiné. Résistance aux dégâts tranchants, perforants, contondants et au feu. Je peux peut-être leur balancer un petit. J'ai une idée. Si vous êtes prêts, je peux leur balancer une petite tempête de grêle sur la gueule. Ah ouais. Bon, vas-y, de toute façon, ils bougeront pas après, on va pouvoir aller les taper alors. Ça me parle. Moi, je peux tenter une fin d'Adar si tu veux. En même temps. Bah, vous voulez que je rentre en mode tour par tour là ou... Je sens que je vais te marrer pour quelqu'un avec tout ce que vous voulez balancer, allez-y. Attends, j'essaie de voir si je peux pas déplacer des trucs pour pouvoir sauter facilement. Je vais essayer de faire en sorte de qu'on puisse. Tirer les fauteuils. D'accord, et... c'est pas pour toi qui va refaire la décoration sur la droite là. Je fais en sorte qu'on puisse s'approcher d'eux quand même. Je sais pas ce que ça veut dire, mais d'accord. C'est-à-dire que je vais faire un cercle de glace qui va pas être trop violent. Tu le pousses le plus loin de toi alors, c'est ça? Non mais tu peux mettre des zones de glace, j'ai des bottes qui me permettent d'éviter de me casser la gueule sur la glace. Donc, Vas-y, on pitant pas tout seul à aller au cac. Tu mets autour par toi. Moi je peux. Allez go. C'est un mode, il se passe sur la glace. Ah putain, je suis plus caché. Ça avait l'air vachement bien ce que vous avez fait. Ah bah ils se sont pris une certaine quantité de tabasse là. Ah mais du coup ils voient plus rien. Bah oui, ils sont aveuglés. On peut y aller en fufu, c'est du. Attention, ouais. Là, il se passe une chose là, c'est un concept hein. Attends, parce que moi du coup je vais. Vous avez buté le gars au milieu quand même, vous êtes vraiment pas chic avec. Ah merde, oui, j'avais oublié qu'il avait. Il avait rien demandé à personne. Ah bah oui, mais il était probablement à moitié mort déjà. C'est ça, on a fait que. Alors d'accord, mais quand même. T'es en train de souffrir le pauvre. Alors sachant que j'ai tué quelqu'un, j'ai une nouvelle action. Donc ça, oui c'est vrai, on est reparti sur le gars qui joue pendant 10 minutes. J'avais oublié ce détail. Et en plus, comment on voit les actions place. Déjà ici là oh, c'est les points verts. Faire ça. Merde, j'avais sort là. Ah c'est vrai qu'on fait du critique automatique avec. Par contre je te conseillerais de sortir de la zone hein, parce que tu prends quand même de 2 à 12 points de dégâts de froid par tour. Tout va bien, mon tour n'est pas fini, je te rassure. Là, regarde-le détruire le boss et. Mais non, ça... il y a des savours. J'ai été gentil là, j'ai pas tapé beaucoup. Là. Ouais. J'attends de voir la potion de vitesse qui pop d'une part. J'en ai plus. Ah bon, d'accord. Ah bien, putain, c'est à moi par les deux. Ah ouais, c'était moi qui avais. Ouais, c'est bien, il est surpris, il peut rien faire. Je suis chaud, si vous pouvez me laisser une des deux sœurs, ça m'arrangerait grandement. Titre. Mais d'accord. Ah bon, papa est là. C'était pas ça grandit ton truc là ? Non. Non, c'est juste qu'ils sont dedans. Je sais pas, j'ai l'impression que ça grandit, Garofadar. Non, c'est la même taille. Ouais, Arda, si tu peux me laisser finir la sœur là, que j'ai une action de plus, je suis chaud. Ok. Du coup, qu'est-ce que je vais lui mettre dans la tronche ? Une petite orbe chromatique ? Faut une boule de feu. Au pire, tu te mais non, pas une boule pas de feu, grave. Il est résistant au feu. Oh. Ah, c'est vrai ? Bah oui. Déception sur moi. Je l'ai examiné pour vous dire, hein. Il est résistant en tranchant, en perforant, en contondant et au feu. Attends, j'ai pas une huile, moi, qui pourrait te faire plaisir. Moi, j'arrive pas à voir mon sac. Bon, j'ai mis un petit glyphe de garde sous les petons. Non, c'est un sort de niveau 3, j'ai peut-être pas gâché trop de sorts de niveau 3. J'ai déjà dû balancer une petite. Ah, puis déjà, comment il vient de se faire labourer la gueule. Tellement beau, moitié de ciel. Ouais. Regarde, elle vient rien contre en plus. Ah, elle est sympathique. Bon, alors. Toi. Ils sont prônes, c'est chiant pour eux, non? Bah oui, ouais. Ça c'est d'office. Mais j'ai essayé, ça va pas. Ouais, c'était sans. Oh, mais il est relou à ce qu'on mise à chaque fois là.
Non, c'est marrant, il n'y a pas de toutes les... Ah, peut-être qu'il y a des résistances légendaires, peut-être. Faut faire la fin de tour. Ah, voilà. Ouais. Mais je regardais juste le... Allez. Salut. Allez, esquive là. En même temps, il est con, il est pas sorti de la darkness pour attaquer. C'est moi, tu viens de dire YOLO là. Je viens de dire YOLO, ouais. Il a fait YOLO. Ou c'est un peu loin de moi, c'est pas cool. Ouais, bah tu peux voilà. Ah ouais, tu peux le pousser d'ailleurs ou pas? Non, tu peux le désactiver dans les passifs. Ouais, j'ai oublié que j'avais. À la limite, tu peux te déplacer ta Garofadar hein, si tu veux. Comment ça? Non, il veut pas. Non. C'est pas un spell que tu peux déplacer? Non. Bah, dommage. Nuage de poison, tu peux. C'est suffisamment abusé comme ça. Ouais, t'as espèce de boule de magma, un truc comme ça. Ah, oh, c'est de la merde, je l'ai essayé, ce là, j'ai trouvé tellement nul. Non, en vérité, dans certains endroits, ça prend vraiment une puissance. Il casse les bibliothèques. Putain, t'as fait plus de dégâts à bibliothèque qu'au mob. Oui, bah je fais ce que je pneu. Hein. Ah, j'ai plus de points de ki, tiens. Bon, ça devient chiant. Ça. Mais c'est vrai que t'as ça comme bot, toi. Claquer des talons, tiens, ça fait tellement nazi. Attends, je vais essayer de le remettre dans la zone. Tu veux que je l'y mette, moi? Ah, bah je peux même pas. Putain, t'as pris la place où je voulais aller, je peux plus. Attends, vas-y, je me pousse. Attends, si je me mets. Attends, je me décale. Il a mouvement limité, il s'en fout. Tu veux passer par où? Tu veux passer par là? Attends, non, c'est où je vais mettre là. Allô? Il est passé par ici, il repassera par là. Bah, tu dois pas pouvoir sauter parce qu'il y a le. Hop là. Tu veux passer où après derrière lui là? Ah, bah attends. Vas-y, je vais essayer un truc. Mais sauter, c'était une action bonus. Bah défoncez-le à 85 PV, on va l'éclater. Il est trop lourd. 66 putain, PV. Je suis deg. Putain, 12, 2, 2, 5, allez. Ouais. Ah bah voilà, il fait dodo. Je vais pas le dire. Bah, c'est-à-dire que si t'avais fait ça avant, je l'aurais tué depuis. Je l'ai tapé déjà, moi. Bon bah, il fait deux. Manifestement, non. Il a pas joué, du coup, c'est bon. Bon bah, ça c'était un boss, normalement. Tuer le chirurgien sans le laisser utiliser ses capacités chirurgicales. Bah, tu sais quoi? Eh bah, j'ai tout ramassé. Voilà. Il n'y a pas eu le temps de faire grand chose. Hein. C'est vraiment dommage quand même, parce que. Comment on lui a roulé dessus sans aucune vergogne? Sans aucun respect. Ouais. Ouais, c'est pas facile. Non, mais moi j'ai. Qui fait beaucoup de critiques? Toi. Bah, toi. Non, mais c'est une amulette et j'ai mon amulette qui parle. Bah, on voit au cas où, hein. Ah, ouais. Sinon, tu la passes à quelqu'un d'autre. Mais t'as tellement de bordel dans ton inventaire, toi. Qui sait? Moi, je vous rappelle, on n'arrête pas de me filer toutes les merdes à vendre. Alors que vous pouvez clairement vous-même les vendre, hein. Moi je dois acheter, c'est tout. Tiens, tu veux un lutte Est-ce qu'il est dur? Tant qu'à faire, puisque t'achètes. Tant que tu vends, hein. J'ai un casque d'acuité arcanique, tiens, je savais pas que j'avais cette. C'est marrant, je suis sur mon perso, je voulais des trucs qui pop dans mon inventaire. Paf, paf, paf. Allez-y, c'est pas grave. Moi je fais pas de chichi, j'en donne à tout le monde. C'est très gentil de me filer toutes tes merdes. Allez, yes, super. Une pierre ensanglantée, waouh. Y'a aucun problème, vraiment, tiens, regarde, j'en ai plus de poison. Waouh, j'ai un poison basique. Tu veux un tambour, tiens, voilà un tambour. De l'encens, un luth, un tambour, un encrier. Putain, y'a l'air d'y avoir des gens là-dessous, là. C'est quoi, QT? Allez, je te laisse. Je vais regarder dans le camp s'il n'y a pas des. Ça, je peux peut-être des le garder, gants. Ça. Peut-être le garder ça. Ah, Hunger of Adar, ça fait de la. Ah non, c'est ton spell qui fait de l'eau partout. Ah, je te traîne. Ah bah, il a balancé une tempête de grêle. Oui. Je te rappelle les jeux. Là-bas, il y a un Shadow Root Sack. Je ne l'ai pas ramassé. Un quoi? Une poche ténébreuse. Une poche d'ombre racine. Voilà ça. Ça c'est pas mal, j'ai deux sacs avec plein de tonneaux partout.
Alors, baiser du vampire, déjà connu. Ça, déjà connu. Ça, déjà connu. Ah, il y a des zones rouges. Il y a des zones rouges par là-bas. C'est quoi par là-bas? Je sais pas, mais il y a des zones rouges. C'est quoi? C'est Sœur Cinda. C'est où? Bah, j'ai continué dans la nef. On était dans le cœur de l'église. J'ai continué vers la nef. Je sais même pas si les appellations sont bonnes. Je vais t'avouer que. Bon, après, on est deux, on se la fait, non, Sœur Cinda. Tentation de char. Ok. Ah, y'a une porte là, moi je vois la porte. Eh! Hey, j'ai une corne! Regarde, un Mimir! Présente-moi ta femme, oh, tu sauras pourquoi t'as une là. Corne! Oh putain! C'est rouge, mais c'est un. C'est Sister Litvin! Mais sur la carte, c'est un marchand, donc ça doit être un pote, non? Tu crois? Je sais pas. Attends, Lock. Je lui pisse ses paniers. Est-ce que je peux faire du vol à la tire? Attends, je fais du vol à la tire. Attends, sauvegarde avant! Ah! Voilà, la dernière fois que j'ai fait ça, ça a fait un combat. Il se peut que ça ait déclenché un combat, donc. Mais c'est bien un marchand parce qu'elle a beaucoup à vendre, mais je peux tenter. Oh. Tu veux potion que je tente, de guérison, potion de guérison supérieure. Attends, je sais combien en vol à la tire. Je pense pas que j'ai grand chose. Escamotage plus 6. Et... Ça va, pas grand chose. Escamotage. C'est où escamotage? C'est dans Dext. J'ai plus 8 si tu veux, je peux tester aussi. Ah, je regarde ce qu'il y a. Ta potion de guérison supérieure. Oh, elle a une toxine de vert violet là. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air bien. Un des 10 dégâts de. Un des 10 de dégâts de poison, c'est pas non plus. Ouais, mais enfin, supplémentaire. Mais... Tout ce qui se rajoute à la fin, il fait 40 000 de dégâts en une attaque. Alors que ça fait 5. Alors, cible 9, je peux lui tenter de lui voler 9 potions de guérison. Ah mais en fait c'est une copine. Franche de l'autre côté, il y aura probablement des ennemis, je vois du rouge. Je vais piquer un truc déjà. Attends, je vais faire ça. Elle va pas être copine longtemps, hein. faut se barrer vite hein, quand t'as... Quand... Voilà, bah... Qu'est-ce que quoi? Ouais bah super hein, bravo, on passera pour la... Mais tu l'as mis en combat? Moi je suis pas en combat avec elle hein. C'est ma pote encore. Mais la tapez pas. Ouais. Attends, la tue pas, il veut la voler pendant. Attends, je la vole. Deux secondes. Attends, est-ce que je peux l'entendre? Ah, bon bah, je peux plus. Ah la bah, voler. Non, bon bah, elle va mourir. Heureusement, je peux plus la voler. Mais c'est comme choper les potions. Non, mais attends, mais pourquoi tu l'as tapé? Bon. Ah oh, putain, je peux pas la voler. Ouais, ah, vu le cri qu'elle a fait, elle allait pas rester. Mais c'était une pote sans doute. Je connais ce corps. Arabella's father. Ah bah oui, c'est ça. C'est ça que je me disais que Locke, ça me disait quelque chose, c'est des tiflins qui se sont fait enlever là. Vas-y toi, est-ce que je peux leur parler? Ah oui, effectivement. Bah si, Locke, tu peux lui parler. Ouais. Une boîte à musique. Alors, on appelle ça un cadavre normalement, mais... Il est tellement plein de sang, quoi. Et là, il va te dire, ah mais elle est en train d'essayer de me tomber. Je viens de trouver une note, une vieille carte réalisée à la manière des druides et indiquant ce qui semble être plusieurs itinéraires secrets quittant l'enclave des mondes. La destination est indiquée comme étant la porte de Baldur et une note est attachée. Ne prenez que ce que vous pouvez emporter et empruntez le col de montagne. Si certains sont incapables de suivre le rythme, abandonnez. Vous ne pouvez pas laisser quoi que ce soit ou qui que ce soit vous ralentir. Bonne chance. Zevlor, ça pue. Zevlor, le fameux grand qui se jurait de protéger, il les a abandonnés. Petit fond. Il y a une babale au sol. It does not know. Dérangez le livre. Vide. Au fait, où c'est qui? Vide. Oh là là, cette déception sur les livres. Ah, le coffre rustique, il a déjà été vidé. Il y a peut-être une autre bandeuse là-bas, je vois un personnage. Mec, quand même, bravo, pas de chat. Et à côté, c'est Komira, et en fait, la fameuse Arabella qu'on avait sauvée là, bah, ses parents sont morts. Ah, ils se sont fait soigner. Ouais. Comment tu le sais? Parce que je viens de parler aux parents. Ah, tu viens de parler aux parents? Mais de...
Mais là, ils sont morts. Alors, on joue au même jeu ou. Vous suivez. Allez, moi je faisais des trucs, j'ai pas regardé. Ah, ouais, c'était ouais. Komira, et... Komira et Locke, c'est ça? C'est ça, ouais, c'est Oleda, 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 Komira. Ouais. Quand il y a un dialogue qui se passe avec des scènes, t'as toujours une oreille hein, qui pop. Regarde, bah, comme là avec Arda. Il parle à qui d'ailleurs? The Doctor's abs. Tu parles à qui? Moi je parlais à personne. Hein, hein? Ah non, c'est encore. C'est encore Atemir qui a été parlé à qui fallait pas. Il y a des bouquins partout, regarde. Mémo des chirurgiens, potion de sommeil, potion de sommeil. Oh, allez, potion de sommeil. Ça, il faut les. Par contre, les buvez pas, il faut les jeter sur les gens. Ah, bah. Hein? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il te parle à toi et moi il veut me taper? Parce qu'il parlait pas, il a essayé de le voler. Ah, ah, c'est pas, je te rassure, Arda, j'ai même réussi à voler d'ailleurs. J'ai pas fait que essayer. Je l'ai tellement bien volé que je lui ai tout volé d'ailleurs. Je suis à 3 km là. Oh, tu vas où là? Je crois pas. Hein. Tu vois, regarde ce que je disais, tu vois, 9, 2, 2, 3. Regarde, on est en train de fuir la boue, voilà. Tiens, bah y'a un squelette à ses pieds, tu le pilleras en passant. Elle avait peur. Prendre vu le nombre de bots à l'entrée, tu vois, ça veut vraiment dire qu'ils ont dû soigner beaucoup de gens ici. Soigner avec des guillemets quoi. Oh ouais. Alors c'est... un bouquin pour Arda, de l'or pour moi et. Eh, on n'a pas déjà eu un des boucliers, enfin un des anneaux qui va par paire là? Si. Bah y'a le deuxième là. Un des anneaux qui va par paire? Ouais, Kupi avait une mère. Il a dit qu'il croyait donc. Bah parce que t'as dit que tu croyais qu'on avait déjà eu l'autre alors je t'ai envoyé celui-ci. Ah ouais, est-ce que l'autre il est vraiment nécessaire parce que. Et ils font ça, quoi ces anneaux? Aucune idée, j'ai pas lu. Ça file le sort qui permet en gros de diviser par deux. Enfin, ça split les dégâts en deux et tu mets le sort sur une autre personne. Et comme ça tu divises les dégâts. Enfin, tu répartis les dégâts. Et ça te file des résistances à tous les dégâts et plus 1 à ton armure et au jet de sauvegarde. Ça marche. Merci pour l'explication. Oh, un coffre. S'il y a même par là, il va y avoir des mobs après. Mais ça, s'il y a une bibliothèque, j'ai trouvé la clé. Sauf si on vient de la bibliothèque en fait. Je sais pas. À mon avis, on vient de la bibliothèque. D'accord, attends, bah, j'ai la clé du Wooden Desk. Bah, ça c'est pour Arda. Ah, j'aime bien quand il y a des trucs pour moi. Bon, c'est des matériaux d'alchimie là. C'est parfait. Donc en fait, c'est un peu pour nous aussi, mais. Hop là! Hop là! En fait, l'anneau dont tu parlais, c'est toi qui l'as dans ton inventaire. C'est vrai! Ah, t'es bien! Quel anneau? Bah, la caresse du vieux étape d'amour rouge. Tu peux voir donc à quel point je me souviens de ce que j'ai dans mon inventaire. J'ai un tas de bordel. Tiens. Toi, tu veux échanger ton tas de bordel avec le mien? Non, ça... bah, toi, tu peux le vendre, moi. Mais bah, toi moi, aussi. Il fallait pas. Non, on m'a dit qu'il fallait pas, on m'a dit que c'était. Mais non, c'est. Non, non, moi, j'achète. Je vends pas, alors rien à foutre moi. De... Vendre, ça m'intéresse pas. C'est moi, je dois, moi, j'achète. Tout va bien, tout va bien, Katox, c'est toi qui vends. bon, si jamais moi je suis sorti, j'ai trouvé des mobs, si vous voulez. Par là-haut, là, il y a des mobs. Où c'est? Il y en avait aussi de l'autre côté, je crois. Il y avait un truc avec des gens. Ah mais là, on arrive sur une énorme zone, pas du tout explorée. Ça va être un grand cimetière. Mais est-ce que c'est dans la direction générale qu'on voulait prendre? Bah justement, avant d'aller dans la direction générale où on voulait aller... C'est bon, maintenant, du moment qu'on va vers le sud, c'est ok, c'est bah, juste que là où on allait, juste... bon, c'est... On n'a pas exactement... À la droite d'ailleurs, gauche. Gauche de la maison des soins, là, il y a des mobs. Bah oui, c'est ça, on n'a pas exactement pris le passage par là où on est parti à la base. Donc on devrait remonter par l'ouest. Avant de redescendre plus au sud. Voilà, là où je suis, là, il y a 4 mobs. Est-ce qu'il y a moyen qu'on se fasse un petit short rest? Mais je crois qu'on en a plus. J'ai plus rien pour recharger. Oh, mais si des petits mobs à la con, on va vraiment faire ça. Alors, j'ai pas dit qu'il fallait. Den perverti par les ombres. Ah, par contre, juste après, il a l'air d'avoir un grand camp avec plein de trucs qui bougent. Oula, ouais, mais c'est pas là-bas qu'il faut qu'on aille pour l'instant, j'ai l'impression. Pas. Après, est-ce que c'est des gentils ou pas? J'ai pas l'impression, ça a l'air d'être que des gobelins. Hein. Ça a l'air d'être un peu des connards. Oh, ça va être si bien.
De je sors bien le vrai épisode baston là. Bon, on va les défoncer ou pas? À l'armée de Kessrix. Les gens pervertis par les ombres. Du coup, il faut les surprendre ces braves gens là. Moi j'ai plus beaucoup de sorts. Je pourrais peut-être leur balancer une grosse fireball de niveau 4 sur la gueule si on fait un long repos juste après. Bah tu peux hein. Si jamais, juste attendez, comment on fait pour annuler? Y'a un gars là aussi, qui est caché. Je sais pas si vous voyez. Ah ouais, y'a une ombre. Ouais, une ombre. Et y'en a une autre là en face. Ah putain, j'ai plus de spell level 3, je peux pas mettre. Et y'en a une là aussi. Donc y'a quand même. Y'a 6 mobs hein. Y'a 6 mobs. Bougez pas, j'arrive et je vais leur balancer une bonne grosse fireball des familles. Bah, le truc c'est qu'ils sont pas trop paquets donc faut quand même que tu fasses gaffe. Clic droit, examiner. Moi je peux retaper une fin d'adar. Résistance nécrotique. Alors pas trop paquet, mais je pense qu'avec ma bombe de feu je dois avoir une bonne. Je ne sais pas. Je peux en avoir 4. Moi je peux en avoir 5 avec la fin d'adar. Ah, allez-y, faites plaisir. Alors du coup, attends, j'arrive. Moi je peux en avoir 3. C'est fou qu'il vous voit pas en vrai. Vous êtes tellement à côté d'eux quoi. Genre, t'as les gars, ils sont en train de préparer le gros sort de la terre là. Et ils sont en train de. Putain, ils sont encore surpris en plus. Bah ouais, mais le truc c'est que là ils vont me voir moi. Encore que. Allez, Heidi, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne suis pas là, c'est pas vrai, je vois pas de quoi vous parler, bonjour! Dégage! C'est vil! Alors, et un autre? Et encore un? Il fait le ménage! Alors, lui, par contre, lui, ça peut être bien que tu commences à te taper. Non, c'est trop loin, je suis désolé, je peux pas. Ah, d'accord, ok. Par contre, je peux aller taper celui qui est là-bas. Ah non, il reste un PV! Ça, il a presque plus. OS quoi. Il reste un PV, non. Ah oui, je peux me barrer. Ah bon, bah vas-y, je peux me barrer. Ah, j'avoue que la mampenne, je pensais que c'était une ombre, pas une âme en peine. Ah, celles-là, elles sont plus chiantes. Ah oui, elle a beaucoup de PV, l'autre. Ah, voilà. Beaucoup. On vient de buter un gars qui a 300 PV. Le mec, il bat des élixirs, quoi. Je suis derrière les copains. Ah bah tiens. Bah lui sort lui. Bah écoute, manifestement il était là. Eh ma chanson. Ah, ça a pété ta fin. Ah merde. Ouais, ma concentration. C'était un truc de concentration. Ouais. Attends, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer un tout petit peu par là en espérant pouvoir choper le. Enfin, normalement. Si tu peux tuer le mec au bout, ça m'arrangerait grandement. Là. Let's go! T'as même fait du mal au gars sur le passage, dis donc. Non, parce que je peux en balancer deux. Ah, attendez. C'est quoi? Ah non, j'ai plus de. En fait, c'est bon. Ah, il reste que 5 PV. Personne a une fléchette à lui lancer là, pour qu'il meure. C'est le monde qui avait pas fait un échec critique. Ah, le truc c'est qu'en plus vu qu'il est éteint, je vais pas le temps de le jeter. Bah, j'ai fait une réussite critique, puis bon, après, bon, il a essayé quoi. J'ai fait une réussite critique, puis un échec critique en fait. T'as encore désintégré, what? Breathe deep and move. Comment? Non, je sais pas, il a eu un statut corps désintégré. Et je pense que c'est juste parce qu'à la fin ça fait des petites boules. Bon, on aurait pu le looter pendant quelques secondes. On peut aller là, je sais pas ce qu'il y a mais on peut y aller. It's been a long day. I'll need to rest soon. Des potions. Un squelette là. Et ça nous ramène où? Ça nous ramène globalement là où on était tout à l'heure. Oh. Alors y'a un truc pour Arda, un truc pour Mulmire et. Les épées courtes qui s'appelaient à qui? Personne non. Putain, 10-18 elle est pas mal hein.
Après, je crois que c'est juste avec mes small stuff qu'elle est si bien, mais... Ouais, peut-être bien. Peut-être bien, ouais. Je vais filer ça à Arda, allez hop, ça s'occupera. Pourquoi ? Bah, c'est comme ça, ça traîne pas dans mon inventaire. Ça te va comme réponse. Comme ça, ça t'occupera. Ah bah voilà, encore un truc enterré. Alors, si jamais on peut accéder à la morgue, mais je sais pas si la morgue, elle nous fait pas aller dans le campement d'après, là. Non, on peut y aller. Ah oui, la morgue. Clustered fire is intense. The Absolute's army is camped here. Better not press my luck. L'armée de l'absolu. Tant c'est d'XP. Incroyable. Tant ah, d'XP. Non mais en vrai, c'est... Ah, si vous zoomez, vous avez une perspective sur le campement qui est incroyable. Allez, vous. Ouais, on voit vraiment la... Ils auraient dû prolonger un tout petit peu les torches pour vraiment avoir plus de profondeur. Bah après, en vrai, t'as des feux qui vont jusque loin dans le fond. Hein. Mais oui, le fait que ça soit en fog gris, c'est un peu dommage. Ouais, ça... Tu vois, là, il y a quelques ogres qui se battent en duel, mais tu te dis que le camp, s'il continue... Bah, on va à la morgue, du coup, c'est ça l'idée? C'est moi ou j'ai vu un trébuchet? Ouais, des trébuchets. Est-ce qu'on peut faire un petit repos, je suis chaud, je vous avoue. Est-ce qu'on peut faire un long repos? Oui, alors, bah non, mais de toute façon, on peut faire que un long repos. Katox, t'avais les gants qui permettent de filer... Enfin, quand tu soignes, ça donne résistance aux dégâts de mêlée ou pas? Je sais plus si on les avait vendus ou pas. J'ai rien de tout ça. Le seul gant que j'ai, c'est... Quand tu infliges des points de dégâts radiants... Non, parce que ces gants-là, quand on les avait eu la première fois dans notre partie, j'étais « Ouais, c'est de la merde, je les ai expérimentés, en fait, ouais, c'est pas mal. » Ouais, bah, je sais pas où ils sont. avec l'amulette qui soigne gratos, c'est bien. Ah, je dois t'avouer que je sais absolument pas où ils sont. Bon, c'est pas grave, bah. Encore faudrait-il que je soigne les gens. Bon, bah, allez au camp. Là... Ou un petit repos long ? Ouais. Oh, c'est stylé, ils ont tout regroupé avec la mage. Bah je clique ou... Donc ça tout regroupe avec pardon, la mage. Bah, en gros quand tu fais aller au campement, ça t'ouvre toutes les possibilités du campement. C'est stylé. J'ai pas vu ça. Ah tu peux directement cliquer sur le repos en fait. C'était déjà le cas d'avant ? Ouais. Alors peut-être mais j'avais jamais fait gaffe. Ah bah bravo. De ton l'armoise délicieuse, but I will not bite you. Nice here. The cave smell like rotting meat. Goblin coat smells. Ooh, more. Oh, il y a Arabella dans le camp. Est-ce qu'on lui annonce que ses parents sont morts? Ah c'est la petite. Ouais, c'est la petite où on a parlé aux parents. Eh, on avait tes parents, ils vont bien? Oui, ils sont morts. Ils peuvent pas aller, ils pourront jamais aller plus mal. Hey, you. I made it. Easy peasy. You find mom and pops? Vous avez trouvé maman et papa. Alors, comment te dire? Bon. J'ai vu tes parents, ils sont morts. Oups. Bon, bah, je clique. C'est pas dessus. De notre faute. Oui, pour, oui, une, oui, pour une fois, c'est pas de notre faute. Non, non, non. Si, 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 si. I don't believe you. Ah, bah, si, si, si. Non, 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 non. Non, non, non. Je ne peux pas t'autoriser à dire la phrase. C'est pas possible. La pauvre fille, quoi. Oh, c'est terrible. J'adore les scénaristes. Ils sont tellement bons. It was quite a sight. It isn't true. It isn't. Si, si, je te jure. Get away from me. Go. Mais c'est toi qui es chez nous, là. Bah oui, c'est ça, mec. Et on a même pas une poignée XP pour ça. Putain. Ça fait chier. Si, vous allez partir en... Quoi? Quoi? Quoi, quoi? Qui c'est qui? On va pas être qui, là. Arabella. Arabella. Vous l'avez fait fuir? Bah non. Non, j'ai failli parce que clairement la phrase était pas mal. C'est t'as revu leur corps, je les ai retrouvés retournés comme un gant, tous les organes à l'extérieur. C'est... Sérieux. Rappelle-moi, tu as quel âge? 8 ans. Tu vas te faire bonne nuit, toi. Pour
Bon. Je suis sûr, elle sait même pas à quoi ça ressemble un organe. Hope you're keeping well, friend. T'es bien qui est en train de faire le teuteu avec le. Tout le monde parle avec tout le monde là. Un autre joueur est joué avec le toutou. Oui. Avec l'ours. Avec le owl bear. Le hibours. C'est bon, on peut dormir ? Oui. Oula. Ça fait tellement bizarre de revoir le nain. Ah non, Gail, il veut nous parler. Quoi, qui ? Je vais aller lui causer. Encore ? Et finalement, il veut pas nous parler. Je clique dessus. Non, moi je lui parle. Pourquoi Katox, moi je veux... t'es en train de vivre un moment privé. Attends, je défais le dialogue privé, c'est bon. Oh, vous êtes en violet tous les deux. C'est ça. Arrêtez un peu, voulez-vous, votre sort ne fait qu'attirer les moustiques. Petit bâtard. En même temps, je l'aime pas, Gail, alors... Oh. My, you startled me. Miles away. Someone I miss and lost, I suppose. It's a DS. Mistra commands all magic. Salvation, if such a thing exists, is hers to bestow or withhold. And yet even now, more than I fear losing my own self and soul, I fear losing my command of her art. Magic is my life. I've been in touch with the Weave for as long as I can remember. There's nothing like it. It's like music, poetry, physical beauty, all rolled into one and given expression through the senses. Would you like to experience de... this? Dépendance. Quel poète, ce toxicomane. Ouais, c'est quel addict. Pardon, toxicomage. Ouf. Ouf. Allez, je pose ça là. C'était la blague de la soirée. Eh bah, tu peux te barrer. Allez, ciao. Allez, ciao, bye. Fais apparaître une lumière bleue. Now you. Il veut que je fasse apparaître de la lumière bleue. Vous aussi, les barbes sont dégueulasses ou y'a que moi ? Non, les barbes sont dégueulasses. Ouais, c'était pas comme ça, hein. Oh le... Allez. Oh le 1 quoi. Allez, vas-y. Et je lui mets ma main dans la gueule. Not quite, but this is the easy part. Should we try again? Oui, on essaye. Difficulté 2. Allez, merci. Et là, j'invoque un Balrog. Oh merde. J'ai fait de la lumière bleue. You feel something strange, like a kind word and a kind touch at the same time. It's warm and comfortable. Excellent. Now, repeat after me. Athran Mistraril Kandrak Eo. Ça va. 5 plus 5, de toute façon j'étais avec un plus 5 de base. Ah non, tu pouvais faire 1. Suddenly, the scent of rose water and a sense of well-being. A sliver of weave that tastes sweet on the tongue. Very good. Now, I want you to picture in your mind the concept of harmony. As true as you can. C'est un parcours de magie, quoi. Ouais. Oh bah, succès critique. J'invoque un Balrog. Et merde! Fait de la lumière violette. You see, or is it sense, the presence of a woman? The woman who hovered over Gale's palm. There's something like the anticipation of a kiss, then the pleasure of being cloaked in peace. You are safe.
Calmons-nous. Ah, tu t'attendais pas à ça. Calmons-nous. You did it. You're channeling the weave. How does it feel? Sensuel. Ooh. Mais tu vas le pécho là. Chauffe-le à mort pour le... Hey. Alors. Hey, oui, oui. On aime bien le violet, mon chou. Non. Il y en a qui insistent là. Oh non, je lance pas. Ah bah, tu t'es lancé dans, dans la ferme au cochon. Attends, c'est quoi? Pour un peu de timidité, non merci, ça va. Je vais faire l'entre-deux. And as it does so, you realize the night feels suddenly cold and lonesome. Oh. There it goes. How easily things slip away from us, no matter how hard they were in the obtaining. Good night. I enjoyed sharing a moment of magic with you. Hey, voilà. Hey. Tu lui as réchauffé son petit cœur. Ah, on n'est pas que son petit cœur. Ouais, tu aurais pu réchauffer pour son lui petit... mettre, pour lui mettre un gros refus derrière. Ouais, les gens qui veulent nous parler, je crois pas. Hein. Quoi, non, quoi? C'est fini. Arbella, je me demandais s'il y avait d'autres gens qui voulaient causer. Non, Arbella veut toujours pas parler. Mais. Et je suis allé explorer, voir s'il y avait d'autres gens. Mais vous êtes en train de faciliter le transit intestinal, vous? J'adore cette expression. C'est tellement bon. On a dit un petit long repos. Ça devient un long long repos. Ah, moi je suis prêt. Hein. Ah, moi non, aussi. Pourquoi vous dites pas oui quoi? Bah, j'ai pas le temps de dire oui en fait. J'espère qu'il ne va rien se passer et que nous n'aurons pas une cinématique au réveil. Des gens qui veulent nous parler en attendant. Si, il y a des gens qui veulent nous parler. Ouais. Il y a Carlac qui veut nous parler. Ah, puis en plus, c'est la meilleure. C'est la best girl. Exactement. Oh, oh my presque. God, soldier. That's Jahira. The Jahira. Alors, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? C'est la Jahira. La Jahira. Don't you know the whole story? Years ago. Over a century, Jahira was part of a group that saved Baldur's Gate from Saravok, a Baalspore trying to plunge the city into war. My mum used to tell us stories about them. The legends who protected the city from evil. She said Jahira was a powerful druid. Adamant. Tough. I've told myself those stories 1,000 times since. I never thought I'd meet Jahira. She's a hero, and I was always some outer city kid. Can't believe she wants to talk to us about working together. What a day! C'est la fangirl. Fan fangirlée comme pas possible. C'est tellement la groupie, quoi. C'est ça. C'est ça. Mais c'est pour ça aussi qu'on l'aime. C'est pour ses émotions pures. Ou aussi pour sa grosse hache dans le dos. Accessoirement. C'est que sa hache. Il y a une morgue, on y va. Yo. Alors. Trop tard, je suis rentré. Est-ce que tu veux préparer des sorts? Alors, non, ouais, je mais sorts, ouais. Je me disais qu'on aurait peut-être pu arrêter l'épisode là. Ah oui, c'est vrai. Et commencer la morgue au prochain épisode. Ah, du coup, on peut s'arrêter là sur l'entrée de la morgue. Comme ça, ils voient les cadavres, etc. Non, je vais pas sortir. C'est une belle fin pour un truc sympa. C'est... Voilà, on est là sur de la finesse avec le squelette du penseur là sur le pilier juste ici, tranquille. Et une serviette sale. Je trouve que c'est le truc le plus dégoûtant. Une serviette sale. Emportez toujours une serviette avec. Toujours. Sur ces bonnes paroles. Sur ces bonnes paroles. J'espère que vous aurez apprécié l'épisode. On vous fait des bisous. On se retrouve à très bientôt pour la suite. Ciao. À plus. Bisous.